ta li lay bolé ci lepp li tax ba duñ la faté ya koy ligéy ay gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way, the Lord, Lord need to stand up, get better the warning, which makes me know where we the line was left to be done. Li lay bolé ci lepp li tax ba duñ la faté ya koy ligé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir les programmes de la Une. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette semaine spéciale ici dans la région de Fatick. Nous sommes dans le département de Foundiougne et ce matin, ce lundi matin, précisément au port de Ndahonga, avec des invités spéciaux, Kalune Badarakane, qui m'accompagne tous les matins dans cet exercice matinal. Ce fera un plaisir de vous présenter dans quelques minutes. Au cours de cette semaine spéciale, eh bien, tous les chroniqueurs de votre matinale préférée vont également défiler sur ce plateau. Ce lundi, Tafa est déjà là, Hassan Sin nous rejoindra et Anta également. C'est dire qu'au cours de cette semaine, eh bien, nous avons tout simplement envie de vous faire découvrir les énormes potentialités de notre cher pays. Je vais tout de suite dire un bonjour particulier, évidemment, puisque nous sommes dans une semaine particulière à mon cher Alune Badarakane. On n'a pas beaucoup dormi, le voyage a été très long, mais évidemment, on est très heureux d'être ici dans le département. Bonjour, mon cher Alune. Bonjour, la comment vas-tu? Je ne te demande pas comment tu t'es réveillé, parce que le réveil n'a pas été évident ce matin. Mais quand même, écoutez, nous sommes réveillés avec beaucoup de peps, parce que tout simplement, l'enjeu en vaut la chandelle. Absolument. Il est question, encore une fois, de vanter les mérites, donc des grands projets d'infrastructure de l'État du Sénégal, mais aussi de vendre davantage la destination Sénégal, parce que nous sommes dans une très belle région, la région de Fatick. Beaucoup de gens ignorent les énormes potentialités en tout cas de cette région, parce qu'il faut la parcourir, il faut aller à l'intérieur de cette région pour s'en convaincre, pour s'en rendre compte, surtout avec le secteur touristique. Et c'est clair que nous sommes déjà sur un site extrêmement important, stratégique. Nous sommes sur le port de Ndahonga, de l'autre côté derrière nous avons le pont, et c'est clair qu'avec de telles infrastructures, bien sûr, cela pourrait donner un coup de fouet à ce secteur touristique, mais aussi à d'autres, aux autres secteurs donc économiques de la région de Fatick. Absolument. Parce que imaginez maintenant, pour aller disons jusqu'en Gambie ou bien dans d'autres pays même de la sous-région, on n'est plus obligé de passer par le corridor, le fameux corridor. Donc on peut faire un raccourci par Foundiougne, et par ricochet, bien sûr, cela impactera aussi les activités économiques. Des villages vont sortir de l'ornière, leur activité économique sera véritablement accélérée. Donc véritablement, que de bienfaits grâce à ces infrastructures-là. Et on reviendra donc sur tout cela, sur leur pertinence avec madame le gouverneur de Fatick aussi, qui a aussi souffert avec nous, parce que c'est pas facile quand on connaît ces énormes charges, mais malgré tout, absolument, elle a tenu à être ici sur ce plateau à l'heure donc de la matinale. C'est pas une heure facile, parce que c'est très tôt le matin, dès 6h30, nous sommes en parfaite relation avec notre public, et c'est ce qui fait le charme donc de cette antenne décentralisée. Donc merci surtout à madame le gouverneur et à l'ensemble des autorités administratives et aux élus donc de la région de Fatick qui se sont réveillés très tôt ce matin pour nous accompagner pour ce premier numéro de cette semaine spéciale Kankaliba. Madame Seyna Bougué, bonjour. Bonjour, madame. Merci Sarah d'avoir accepté notre invitation. Alors, la première fois, c'était par visio. Et là, on est jusque chez vous. On vous a promis de venir vous voir. C'est fait. Et on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir ici, dans la belle région de Fatick. Mon cher Tafa, comment vas-tu ce matin? Notre spécialiste immobilier, ingénieur en génie civil. Oui, bonjour Sarah. Ça va? Bonjour. Oui, ça va, je vais super bien. Alors avec toi, on va revenir justement ce matin sur les constructions de ponts, oui, les spécificités et tout ça. Bien sûr, parce qu'on est dans un grand moment d'ingénierie de la construction, donc c'est normal que je sois là déjà pour en tant qu'ingénieur, voir l'infrastructure d'une telle envergure aujourd'hui ici. Donc un pont de plus de 1300 mètres de longueur, le plus grand pont du Sénégal. Donc c'est normal que je sois là pour pouvoir expliquer déjà la manière dont le pont a été réalisé et la pertinence aussi de l'ouvrage. Merci mon cher Tafa, et je suis merci heureux aussi d'être là pour une deuxième fois, parce oui, que je suis tout près de ma grand-mère, de ma femme préférée, parce que ma grand-mère porte le même nom que le gouverneur. Ah voilà. C'est Nabou. Quelle belle coïncidence. Alune, je te laisse évidemment présenter à nos téléspectateurs
nos autres invités, nos hôtes qui nous accueillent ici chaleureusement d'ailleurs, et c'est une occasion pour nous de les remercier encore une fois. Certes, à tout seigneur, tout honneur, donc forcément, il fallait commencer bien par donc l'autorité administrative principale de la région de Fatick, en l'occurrence Madame le gouverneur, mais à sa suite, on aura le plaisir de recevoir d'autres autorités, d'autres élus, surtout donc de la région de Fatick. Nous sommes dans le département de Foundiougne, nous sommes surtout dans la commune de Djirna, qui a l'honneur d'abriter donc cette infrastructure majeure, et donc forcément, elle sera représentée par son maire, hein, Monsieur Badara Diom, qui sera sur notre plateau. Mais avant de l'accueillir, bien sûr aussi pour respecter la hiérarchie, donc le conseil départemental donc va ouvrir le bal avec aussi son premier secrétaire élu, Monsieur Issa Ba. Et voilà, c'est ça donc les invités donc du jour. Et pour Foundiougne, il y aura un panel spécial. Je ne vous en dirai pas plus, mais Inch'Allah, voilà, il y aura des invités de pointe. Ne dis pas tout de suite, parce que c'est toute une semaine. On est là pour une semaine, voilà. Et de grandes surprises et de belles surprises vous attendent. Et je crois que c'est ça aussi notre mission, être proche des populations, donner la parole aux populations et interroger également tout ce que l'administration est en train de faire, la territorialisation des services publics. Une réalité ici au Sénégal. Je voudrais vous inviter à bouger tout en restant assis. On démarre d'habitude avec la capsule du coach Tandara. Une gym spéciale avec l'équipe Quinqueliba. Vous en avez rêvé, vous l'avez demandé. On l'a fait pour vous. Regardez comment vos chroniqueurs bougent avec le coach Tandara. Gotta wake up early in the morning. A long way because I gotta find my way the Lord. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de regarder votre télévision nationale. Aujourd'hui, Quinqueliba est sorti des sentiers battus, vous le devinez, vous le savez. Nous sommes à Foundiougne, où il fait vraiment bon vivre, c'est vrai qu'avec une excellente oxygénation. Alors aujourd'hui, l'équipe de Quinqueliba a laissé de côté les bics, les crayons, les ordinateurs, le micro, les caméras. Et tout de suite, nous allons nous lancer, mesdames et messieurs, à notre première capsule de la semaine, celle du lundi. Alors, la capsule de ce lundi, ce sera avec du fitness. Alors, un fitness avec véritablement une musique assez rythmique. Et nous allons inviter le prince Nico Marga. Donc, ce morceau s'appelle « Suite Mose ». Alors, avant d'aller plus loin, d'abord, je vais demander à toute l'équipe, Quinqueliba est-il prêt ? Quinqueliba, toujours prêt ! Très bien. Alors tout de suite, nous allons y aller avec le prince Nico Marga, mais nous allons d'abord faire notre échauffement. Alors l'échauffement, regardez ceci. Je suis
J'ai très bien vécu cette séance, ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de sport et je vois que c'est en train de travailler mon cardio. En tout cas, merci beaucoup pour cette séance, chers téléspectateurs. Refaites ces exercices à la maison. Coach, on avait promis ça aux téléspectateurs pendant très longtemps. Et voilà, c'est fait. L'équipe est là, on bouge. Merci pour ce magnifique moment. Le sport, les activités physiques, c'est important pour la santé. Faites ce que le coach vous dit, bougez au quotidien. Yes. C'était très intéressant, surtout l'échauffement, ça m'a vraiment remis à plat après un long voyage et beaucoup de tournées ces derniers temps. Donc voilà, merci très bien. Beaucoup. Alors, comment ça s'est passé? Super bien. Ah ouais. Parfait. Allez, on avance, n'ayez pas peur du micro. Alors, comment ça s'est passé? C'est super. Super. Très bien. Alors, ça s'est passé comment? Oui, ça s'est super bien passé. Tonique, super bien. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Le rendez-vous, ce sera Inch'Allah demain. Alors, on reste ici à Founioun. Alors, je le disais au début, ça fait bon vivre, véritablement. Il y a une excellente oxygénation. Alors, on va dire encore une fois merci à tous les Founiounois. Je ne sais pas si on dit Founiounois, mais en tout cas, merci à vous de nous avoir accueillis. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, le rendez-vous demain, Inch'Allah, ici même, à ce même lieu. Allez, très bonne journée à tous. Vos commentaires et réactions sur les réseaux sociaux. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette séance gym assez particulière avec le coach Tandara. Pour rester en bonne santé, vous le savez, il faut bouger, mais également avoir une alimentation équilibrée. Alors, retour en plateau. Première chronique, celle de Tafa, immobilier. Je voulais annoncer en introduction, nous sommes au port de Ndaranga. Et juste, eh bien, derrière, en face, ça dépend de la position, il y a le pont de Ndaranga qui sera bientôt réceptionné. En tout cas, les travaux sont terminés. Nous, on a vu, c'est tout simplement magnifique, mon cher Tafa. Bien sûr, et cela conforte aussi ma thèse, quand je disais toujours qu'on peut construire partout, même dans l'eau. Donc, la preuve est là. Parce que là, on est dans l'eau. On est dans l'eau. On a construit, on est près du port. Donc, il fallait déjà imaginer un pont de 1300 mètres de longueur. Donc, les gens vont penser que pour construire un pont, c'est simple, c'est un tablier et des piles après les voitures pour passer. Donc, ce n'est pas du tout facile comme on le pense. Parce que déjà, sur le plan de l'infrastructure, il fallait déjà faire une étude poussée en géotechnique. Donc, ce qui explique la présence de 79 pieds de 60 mètres de profondeur. Donc, ce n'est pas du hasard. Parce que 60 mètres de profondeur, donc, cela signifie qu'il y avait eu des difficultés sur le plan géotechnique. Donc, il fallait déjà dépasser plusieurs couches, parce que dépasser l'argile, dépasser la marne, pour déjà trouver ce qu'on appelle dans notre jargon le bon sol, pour pouvoir poser les fondations de la structure. Donc les fondations qui sont posées à 60 mètres de profondeur, donc il faut dire qu'il a fallu travailler d'arrache-pied. Donc pour dire aujourd'hui, avec ces 79 pieds qui reçoivent déjà tout ce qui est contrainte, tout ce qui est pré-contrainte du pont, tout ce qui est pré-contrainte au niveau du tablier du pont, parce que dans un pont, on a les pieds, on a aussi on a ce qu'on appelle les chevêtres, c'est-à-dire c'est ce qui relie les deux pieds, et après on a le tablier, c'est là où roulent les voitures. Et sur ce pont, on a un tablier de 11,40 m, donc pour les véhicules auront deux voies de 3,70 m, avec aussi deux parties de 2,50 m pour les piétons. Donc deux parties de 1,50 m pour le piéton, et c'est ce qui compose ce pont. La particularité, c'est-à-dire qu'il fallait respecter aussi une circulation marine. Parce que là, on est près du port. C'est ça. Et voilà, donc il fallait avoir une circulation. Donc on a eu l'intelligence de mettre des travées, c'est-à-dire c'est la distance entre deux points d'appui de 40 mètres. Donc après, on a deux travées principales qui se trouvent au niveau du milieu du pont. C'est ce qui explique aussi la forme du pont pour permettre aux bateaux et tout de pouvoir circuler normalement et respecter tout ce qui est norme. Pour dire aujourd'hui que ce qui m'a plu aussi, c'est-à-dire que sur le plan des travaux, donc on était de passage d'abord pour voir l'expertise sénégalaise qui était là aussi, parce oui. que c'était sur le chantier, bien qu'il y avait une entreprise chinoise et tout, mais on trouvait des ouvriers sénégalais, dont, tant sur le plan du ferraillage, sur le plan du bétonnage. Donc pour dire que c'est ce qui me plaît tout le temps par rapport au projet de l'État actuel, parce que là, on a l'échange,
d'expérience. Donc après, c'est sûr que les ingénieurs sénégalais pourront d'eux-mêmes construire de telles infrastructures. C'est ça. Oui. On mise également sur l'expertise et l'ingénierie locale, justement, dans ces projets-là. Et ça, c'est évidemment à saluer. Tu étais sur le pont, toi-même, mon cher Tafa. Bien sûr. Tu as marché, tu as vu comment c'est fait, l'infrastructure et tout ça. Solide ? Ça va tenir ? Non, bien sûr que ça va tenir, parce que 79 pieds et il faut noter que ces pieds, pour ces pieds, les diamètres varient entre 1,50 m et 2 mètres de diamètre. Très bien. Donc, pour dire que déjà, et 60 mètres de profondeur, des structures qui sont carrément en béton armé, en béton pré-contraint. Donc, pour dire aussi que, voilà, parce qu'on est donc là, il y a des paramètres à prendre en compte, tel que le vent, tel que la force de l'eau. Il faut noter aussi, on est dans l'eau. Il fallait mettre des matériaux qui peuvent résister par rapport à la corrosion et par rapport à d'autres types d'attaques. Donc Absolument. Tout a été pris en compte pour dire qu'aujourd'hui, les Sénégalais peuvent être rassurés pour savoir qu'ils ont un pont. Déjà, un pont de 1300 mètres, déjà, c'est une première au Sénégal. Et un pont qui est très résistant aussi. C'est un privilège pour nous. On a été... parmi les premiers à emprunter ce pont, mon cher Alioune, à traverser tout simplement cette région avec le pont pour rejoindre l'autre côté de la rive avant même qu'elle ne soit officiellement réceptionnée. Dans la RTS, mais aussi à la nature même de l'émission, c'est la matinale. Donc on est souvent les premiers donc, à être donc, les autres le de ces grandes infrastructures donc, de l'État du Sénégal. Absolument. On a été les premiers à l'aéroport international Blaise Diagne de Dias. On a été les premiers donc, aux différentes sphères ministérielles. Donc, de Diagne, on est les vrai. Premiers sur ce pont. Et c'est tout heureux. Et voilà, touchons du bois pour qu'il y ait aussi d'autres expériences, Inch'Allah, du genre, parce que le Sénégal en a bien besoin. Et le Sénégal s'est résolument engagé donc sur la politique des grands chantiers. Absolument. Parce que, bon, d'aucuns disent, bon, on ne mange pas le ciment, on ne mange pas ces chantiers-là, mais c'est parce qu'ils n'ont rien compris, en tout cas, de l'économie. Parce que pour qu'une économie puisse véritablement prospérer, pour que tout le monde puisse avoir sa part du gâteau, il faut qu'il y ait des infrastructures. Absolument. Pour qu'il y ait une réelle, véritablement, politique d'inclusion sociale, économique. Et donc, imaginez, ceux-là qui souvent galéré ici, au niveau du bac de Fondu. On a fait l'expérience. Moi, j'en ai fait l'expérience, oui, avec vous. Absolument. N'est-ce pas ? Et ce jour-là, n'était la diligence donc, de Madame le Gouverneur, on aurait passé pratiquement toute la journée ici. Donc, absolument. Bloqué. Alors, donc, c'est véritablement un grand ouf de pour donc de la région de Fatick et même fait. Ceux-là qui ne font que passer. Et voilà, en vérité, donc, l'impact économique se fera sentir, bien sûr, dès la réception de ce pont-là. Vous allez voir. On va interroger justement les impacts que ce pont aura sur la vie des populations et l'économie, mais également on va interroger la carte postale de cette région, de cette belle région, l'une des plus belles régions du Sénégal. Je sais que Madame le Gouverneur me dira sûrement la plus belle région du Sénégal. Eh bien, on va revoir tout ça dans la première partie de la rubrique invitée avec Madame Sena Bougué, gouverneure de la région de Fatick, qui est notre première invitée de ce matin, juste après ceci. La seule femme gouverneure du Sénégal en ce moment, la deuxième après Viviane Bampassi, c'est ça, gouverneure de la région de Fatick. On a encore une fois envie de vous dire félicitations. Merci. Au milieu de tous ces hommes, vous tenez bon et vous tenez le cap. Et donc, en tant que femme, on est fiers de vous. Et je pense que tout le peuple sénégalais est également fier de vous parce que vous êtes à la tête d'une magnifique région avec beaucoup, beaucoup de potentialités. Elle est la même trajectoire que Viviane Bampassi, qui a eu à siéger donc au Conseil des ministres. Elle en, voilà, par la grâce de Dieu, ça se fera, Inch'Allah. Et merci encore, Madame le Gouverneur, pour cette réception ici dans votre si belle région. Moi, je ne le dis pas pour vous flatter, c'est la vérité, une vérité absolue. J'ai eu la chance de faire mes dernières vacances à Fatick, dans les îles Saloum. C'était magnifique, c'était époustouflant. Alors, Madame le Gouverneur, pour contenter tous vos administrés, donc on vous laisse le soin de faire la présentation de la carte administrative de cette belle région de Fatick. Quelles sont véritablement ces facettes-là à ressortir sur le plan administratif de Fatick? Merci Alioune Badara, merci Sarah. Et je salue aujourd'hui tous ceux et toutes celles qui ont été présentes à cette émission, notamment les autorités du département de Foundiougne. Mais aussi, c'est l'occasion pour moi quand même, permettez-moi d'adresser mes salutations à Monsieur le Président de la République, à l'ensemble du gouvernement, mais aussi à toute la population de la région de Fatick.
Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir que nous recevons cette émission de Kinkeliba, ici dans le département de Founioun plutôt. Et je sais que véritablement, vous avez dû faire un trajet quand même assez important pour venir jusque chez nous, compte tenu justement de vos obligations professionnelles à Dakar, mais quand même, vous avez bien tenu à être avec nous sur ce plateau. En tout cas, merci pour ce clin d'œil que vous faites à la région de Fatick. Effectivement, je dirais que c'est la plus belle région du Sénégal. Et je sais qu'aujourd'hui, par rapport à cette belle région, nous avons quand même beaucoup de potentialités. Quand je dis belle, je ne le dis pas parce que je sers dans la région de Fatick, mais quand même, c'est une réalité. Mais c'est dommage quand même que ce n'est pas tellement connu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec l'occasion que nous avons avec l'émission Kinkeliba, c'est justement de montrer ces images de la région de Fatick. Administrativement parlant, une région avec trois départements, le département de Founioun, là où se tient présentement l'émission, il y a aussi le département de Fatick et celui de Gossas. Et avec ces trois départements, nous avons 9 arrondissements et 40 communes. Donc, pour vous dire véritablement, non seulement le nombre de collectivités territoriales qu'on a, et j'ai oublié aussi de citer les conseils départementaux qu'on a dans la région, qui sont au nombre de 3. Donc, pour vous dire qu'avec toute cette organisation administrative, il y a derrière quand même, il y a lieu de citer aussi d'autres auxiliaires de l'administration qui sont avec nous, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de citer tout le temps, qui sont les délégués de quartier, mais aussi les chefs de village. Parce que quelque part aussi, dans leurs zones respectives, ils nous appuient beaucoup dans les politiques publiques qu'on a à tenir. Et parfois, si on sent véritablement un rapprochement de l'administration par rapport aux administrés, c'est parce que justement ces gens-là assurent correctement leur mission. Et je sais que c'est l'occasion pour moi, compte tenu des opportunités qu'on a, parce qu'il y a le tourisme. Même ici dans le département de Founioun où nous nous situons, je sais que nous avons une économie essentiellement agricole, portée par l'agriculture avec un grand A. Mais dans cette agriculture-là, on met d'abord en premier lieu non seulement l'agriculture avec un petit A, c'est-à-dire aujourd'hui tout ce qui est culture, tout ce qui est horticulture, et véritablement à côté de cela, il y a la pêche. Oui. Mais le tourisme aussi joue un rôle essentiel dans ce département, dans le département de Fatick plutôt, mais dans une moindre mesure aussi dans celui de Gossas. Aujourd'hui, à Touba Kouta, vous allez là-bas, mais aussi dans les îles, de même que dans une bonne partie de la région, vous pouvez sentir véritablement l'attrait que peut constituer véritablement ces zones. Et c'est vrai que nous avons des plans d'eau d'une grande importance qui pourraient même aujourd'hui justifier qu'on puisse développer même le sport nautique ou bien même avec, par rapport aux touristes et autres, qu'on puisse mettre en avant ces aspects-là. Tout à fait. Et dans le cadre aussi de la pêche, aujourd'hui, nous avons une zone qui produit beaucoup de produits de la mer. Donc même ça, je crois que c'est une certaine particularité parce que ce n'est pas toutes les régions aujourd'hui qui peuvent véritablement se prévaloir d'avoir ces produits de la mer. Là, nous sommes peut-être dans la commune de Djirnda. Je sais que le maire aujourd'hui sait parfaitement de quoi je parle. Et ce n'est pas uniquement la commune de Djirnda. Dans d'autres communes, il y a énormément de potentialités. C'est pourquoi, quand on a aujourd'hui l'occasion d'avoir avec nous ce pont, ça peut permettre de désenclaver. Parce qu'avant, ce qu'il y avait, on circulait avec le bac. Donc, il y avait le bac qui était là, qui nous permettait de circuler avec des rotations. Oui. C'était bien régulier et tout. Mais je sais que ça ne facilitait pas le déplacement des personnes et des biens. Absolument. Donc, quand il a fallu réellement, et je sais que c'est l'occasion quand même, de remercier le président parce que ça, c'est un engagement qu'il avait pris bien avant même d'être au pouvoir. Il est véritablement très lié à cette commune de Founioun, mais aussi à ce département de Founioun. Oui. Dans son livre même, il relate un peu ce lien qui le lie justement à ce département de Founioun. Mm-hmm. C'est pourquoi aujourd'hui, en voyant la réalisation d'un tel pont, et pas seulement de ce pont, parce que les infrastructures qu'on a ici au niveau de cette zone-là, mis à part le pont, il y a le port, il y a aussi la gare de péage, il y a d'autres infrastructures, parce qu'il est même prévu aujourd'hui avec les femmes de mettre en avant un
que ce pont-là ça a en termes de désenclavement de la zone. Tout à fait. Et quelque part, même pour aller, je crois qu'Aline Badr l'a dit, même pour aller au niveau de la Gambie, on avait l'habitude, si les gens n'empruntaient pas le bac, de passer par, Kaolack pour pouvoir aller sur zone. Mais non seulement il y a ce projet aujourd'hui de ce pont qui est en finition pratiquement, et je sais que même sur l'axe Fatick jusqu'à Ndakhonga, là où nous nous situons, il y a des travaux de réhabilitation de cette route qui sont en cours, qui vont continuer aussi de Fundjoun jusqu'à Passy. Et il y avait même un important investissement qui a été fait sur Passy-Sokone, pour vous dire que sur l'axe, véritablement, il y a des investissements importants, surtout en matière de désenclavement. Et je sais qu'aujourd'hui, avec tout cela, la balle est maintenant dans le camp des populations de Fundjoun, qui doivent, avec ces infrastructures, pouvoir faire de leur mieux pour que le développement économique puisse être une réalité. Absolument. En tout cas, c'est une terre bénie qui n'attend qu'une seule chose, c'est que véritablement que les populations suivent ce rythme qui a été déjà impulsé par l'État du Sénégal à travers le président de la République, pour qu'on puisse aller de l'avant sur le plan de l'émergence de cette belle région. J'imagine, Madame le gouverneur, que vous avez dû passer des nuits blanches hein, pour veiller à ce que les délais soient aussi respectés, hein, parce que c'est ce qu'il y a à noter dans ce grand projet, c'est qu'en fait, ça a été réalisé en un temps vraiment, voilà, disons, correct, quoi, compréhensible, parce que souvent, pour ce genre de projet, il y a eu des retards et par le passé. Mais pour le pont de Fundjoun, on a vu que voilà, la mise en œuvre, l'exécution du projet, quand même, ça n'a pas pris trop de temps. Alors à ce niveau, comment vous êtes mise pour que voilà, les délais soient respectés, pour que les engagements de l'État soient tenus? Quel a été votre secret ici à Fatick? Oui, parce qu'il a fallu faire un suivi quand même assez important, aussi bien avec les techniciens de la Géroute qu'avec ceux de l'ANAM. Parce que si au niveau du pont, il s'agissait véritablement de la Géroute, au niveau aujourd'hui de là où nous nous situons avec le pont, c'est l'ANAM qui était véritablement au devant. Et c'est vrai que tout à l'heure, je crois qu'on a même parlé des problèmes de navigation qu'il y avait. Parce qu'en réalisant le pont, il fallait tenir compte aussi de la circulation le long de ce saloum. Et il fallait réellement ajuster, réajuster, suivre de telle sorte à ce que pour ceux qui partent ou bien qui vont sur Kaolack, que cela ne puisse pas être une difficulté. Mais il a fallu quand même non seulement la tenue de réunions périodiques, mais aussi venir sur le terrain pour constater ce qui a été fait. Et je sais qu'aujourd'hui, avec l'entreprise chinoise, mais aussi parce qu'à côté, il y avait aussi l'expertise locale. Absolument. Qui a été au rendez-vous et qui a joué un rôle important et qui a permis même par rapport à la question de l'emploi, de travail, de faire travailler des jeunes dans la localité. Donc, il a fallu un suivi régulier, il a fallu véritablement l'engagement. Et je sais qu'en haut lieu aussi, il y a eu un suivi régulier de tout ce qui se faisait. Tout récemment, on a même eu avant-hier la visite de M. le ministre en charge des transports, M. Mansour Faye, qui était même sur le terrain pour voir justement l'état d'avancement des travaux. Et présentement, nous pouvons véritablement être fiers de dire que nous sommes à 96%. Donc, nous serons très ravis que d'ici quelques jours, quand même, avec le président de la République, qu'on puisse procéder à l'inauguration de ce joyau, qui véritablement est important en termes d'investissement, parce que près de 41 milliards, c'est pas peu dans cette localité. Et véritablement, ce sera l'occasion avec toutes les populations de remercier véritablement les autorités qui ont pensé et bien pensé véritablement à ce désenclavement de cette partie du Sénégal. Alors, merci. Le jour se lève ici, dans le département de Fundjoun. Nous sommes au port de Ndakhonga, précisément. Regardez la vue, comme c'est magnifique. Elle est belle, hein. Regardez. Merci à la réalisation qui nous propose justement ces belles images. Vous avez cité le ministre Mansour Faye. Il nous a laissé une petite capsule, puisqu'il nous a dévancé ici. Je vous la proposerai avant la fin du magazine pour écouter justement ce message qu'il a laissé pour l'équipe de Quinqueliba. Et aussi ses impressions justement sur ce pont et au-delà. Il y a un port également. Et un port, c'est des potentialités économiques énormes à exploiter également, Madame Sénaboguey. Oui, essentiellement. Parce que ce port-là, ce port a été déjà inauguré.
Et je sais qu'avec l'ANAM, on était sur un projet justement de permettre une bonne navigation avec le dragage. Mais je sais qu'en plus maintenant de ce port-là, parce qu'il était question aujourd'hui de travailler de telle sorte à ce que même par rapport au terminal pétrolier qui a été réalisé aussi, toujours au niveau du port, de permettre aujourd'hui aux transporteurs, surtout ceux qui viennent aujourd'hui, ceux qui venaient à Dakar se ravitailler en termes de pétrole, au lieu d'aller jusqu'à Dakar, de venir justement ici faire ce ravitaillement. Et je sais qu'aussi une autre potentialité sur laquelle je ne suis pas encore revenue, c'est qu'on a du pétrole et du gaz. Oui. Au large de Foundiougne, de Fatigue. Oui, au large de Foundiougne. Et je sais qu'avec toutes ces potentialités, je sais que véritablement, c'est ça même qui explique aujourd'hui qu'avec ce port-là, sur ce pont plutôt, qu'on puisse, avec Dakar ou bien avec Ziguinchor ou d'autres parties même hors du Sénégal, qu'on puisse commercer très facilement. Donc, j'estime que c'est un port qui a été réalisé et je sais qu'avec même le projet de désenclavement, parce qu'en dehors du désenclavement de la région, il y a aussi le projet de désenclavement des îles. Parce que suite à l'accident de Bitenti, il se trouve que le président avait envisagé un programme d'une grande importance pour les îles. C'est le programme spécial île. Et je sais qu'aujourd'hui, on est très avancé sur ça avec la réalisation de plusieurs gares routières, mais aussi le fait de pouvoir équiper ces gares routières, de pouvoir renforcer la sécurité de telle sorte à ce qu'au niveau des îles que nous avons, qui sont quand même d'une grande importance dans la zone, et en étroite collaboration avec ce port-là, que non seulement le commerce puisse aller, mais aussi que tous les produits de Fatigue puissent profiter véritablement à tout le Sénégal. Et Sarah, j'avais envie de dire juste à la suite de l'intervention de Madame le gouverneur sur les découvertes de pétrole et de gaz ici, dans la région de Fatigue, de poser cette question au représentant du conseil départemental qui certainement est en train de se lécher les babines parce que ça aiguise les appétits. Voilà, c'est du pain béni aussi pour le conseil départemental qui fait face à beaucoup de missions. Alors que pensez-vous aujourd'hui, Excellence, hein, de toutes ces réalisations-là, donc de l'État du Sénégal pour la région de Fatigue, mais qui profite grandement au département de Foundiougne et sur les perspectives que cela offre donc aux différentes collectivités territoriales qui composent ce département-là. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, à l'entame de mes propos, saluer tout le monde et à la tête de la délégation ou de l'émission, Madame le Gouverneur. Également, vous souhaitez la bienvenue, l'équipe de Kenkeliba et transmettre mes salutations et celles du conseil départemental à toute l'équipe de la radio-télévision sénégalaise. Et vraiment, vous souhaitez la bienvenue, comme l'a si bien dit Madame le Gouverneur, sur cette belle terre de la région de Fatigue, mais particulièrement du département de Foundiougne, où j'ai eu l'honneur quand même de représenter aujourd'hui le président du conseil départemental dans cette émission matinale, Kenkeliba. Et nous sommes heureux et nous remercions le président de la République pour sa vision d'abord du Sénégal de manière générale, et particulièrement de la région de Fatigue, mais plus particulièrement du département de Foundiougne. Pourquoi le département de Foundiougne? Parce que nous sommes aujourd'hui sur le pont de Ndahonga, le port de Ndahonga, qui aujourd'hui suscite beaucoup d'importance et beaucoup d'opportunités pour la jeunesse du département de Foundiougne en termes d'emploi, en termes d'activité et en termes d'économie pour toute la communauté du département de Foundiougne, de la commune de Djirnda, de la commune de Foundiougne. Ça, c'est déjà important pour le département. Et Madame l'a dit tout à l'heure, Madame le Gouverneur, il y a ce qu'on appelle le désenclavement total de la région de Fatigue, mais du département de Foundiougne. Et cela permettrait également de développer plus d'activités économiques, mais de reprendre à merveille le tourisme dans le département de Foundiougne. Vous savez, à l'époque, le département de Foundiougne faisait partie des départements touristiques du Sénégal. Aujourd'hui, compte tenu de beaucoup de difficultés qui sont en train d'être enlevées un à un par le président de la République, nous osons croire que sous peu,
Founi va reprendre sa place sur le plan touristique au niveau du Sénégal. Et les infrastructures par rapport aux collectivités territoriales, donc que ce soit le conseil départemental, que ce soit les maires, que ce soit les communes, et c'est véritablement une opportunité pour tout un département, mais pour toute une région, mais pour tout le pays. Vous savez, il fut des moments, c'était extrêmement compliqué de traverser ou bien de voyager en passant par le département, par Founioune. Parce que tout simplement, madame l'a dit, la traversée du Bac, souvent ça posait beaucoup de difficultés pour les usagers et pour ceux qui voulaient aller très rapidement. Aujourd'hui, quand le pont sera opérationnel et fonctionnel, il est évident que même les gens qui nous viendront de la Casamance-Jigensor vont préférer passer par Founioune parce que ça sera beaucoup plus rapide. Tout à fait. On taquinait le ministre la fois dernière lorsqu'il disait que pour aller en Gambie, pour aller en Casamance, pour aller à Dakar, on lui a dit même pour aller en Saint-Louis, oui, passer par Founioune, c'était encore beaucoup plus... C'est devenu une possibilité. Effectivement. Je ne vous coupe pas, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit que Fatick, la région, c'était l'une des plus belles régions, parce qu'on sait qu'à côté, eh bien, le ministre nous dirait également que c'est Saint-Louis, tout simplement, la plus belle région. Mais les deux restent de très belles régions à découvrir absolument et très important également dans la carte touristique du Sénégal. C'est ça, exactement. Cela veut dire que donc le président de la République, en tant qu'élu, nous félicitons et nous le remercions par rapport à toutes ces actions-là qu'il est en train de faire dans le département. Ce n'est pas seulement le port, ce n'est pas seulement le pont, encore moins le terminal pétrolier. Il faut aller dans les îles du Saloum. C'est de l'eau potable qui nous vient de Tasset jusqu'aux îles, jusqu'à la commune de Djirnda. Depuis des années, nos parents insulaires mettaient des bidons dans les pirogues pour aller chercher de l'eau, soit à Sokone ou en Gambie. Depuis plus de 50 ans, c'est avec l'ère Macky Sall que nous avons connu aujourd'hui des robinets avec de l'eau douce potable dans ces îles du Saloum. Okay. Il y a aussi ce qu'on appelle les pistes de désenclavement dans le département de Founioune. Oui. Le département, c'était véritablement un département très enclavé. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé quand Madame le gouverneur dit que le président Macky Sall est beaucoup attaché à ce département de Founioune, mais particulièrement à la commune de Founioune. Il est tellement attaché au département que pratiquement partout entre les communes, il y a des pistes de désenclavement, mais également des pistes de production. Ça veut dire que, puisque c'est un département à vocation agricole, à vocation pêche, élevage et même forestier, parce que c'est un département quand même, sur l'ensemble des activités économiques, vous trouverez véritablement une bonne partie de la population qui s'y active. Parallèlement à tout ça, compte tenu de tout ce que nous avions, il y a ce qu'on appelle maintenant la découverte, comme l'a dit Madame le gouverneur, et comme l'a dit aussi mon frère M. Kane, du pétrole dans notre département. Tout à fait. Mon cher Tafa, je vais te laisser rejoindre la régie de l'autre côté pour profiter de cette belle vue. Peut-être un mot sur cette région et notamment le département de Founioune qui nous accueille et ce spectacle magnifique qu'on région, découvre ce matin. Tout simplement très belle région. Ouais. Et je confirme avec Madame le gouverneur la plus belle région du Sénégal. Décidément, c'est bien parti pour Fatick. Hein. On a beaucoup de voix qui plaident pour. Merci mon cher Tafa. C'est je vais céder ta place à Anta qui nous rejoint maintenant. Ma chère Anta, viens. On a parlé du pont et grâce justement à ces infrastructures, c'est tout simplement le tourisme qui va être relancé. On va regarder le clip du jour et dans un petit moment... Anta nous rejoint en plateau. Restez avec nous. Nous sommes en pays célèbre, hein, pratiquement aussi. Donc, j'imagine que le son va coller un peu à l'événement. Et délicieuse comme la mayonnaise faite maison.
gotta find my way to the Lord. Bonjour ma chère Anta, bienvenue. Merci, c'est un plaisir d'être ici à Fundjoun en étant justement, on va dire, amoureuse de la nature. Donc j'aime tout ce qui est écotourisme. Donc c'est un réel plaisir de aujourd'hui participer à cet épisode décentralisé. Et donc aujourd'hui on a des merveilles à vous faire montrer, à vous les téléspectateurs, à travers la chronique. Ça c'est les découvertes d'Anta qui se déplacent pour vous. Anta n'est pas la seule à nous avoir rejoint justement pour la suite de cette émission. À Lyune, je te laisse nous présenter notre nouvelle invitée. Écoutez, pour que véritablement que ça soit complet, il fallait forcément donc inviter le maire de Njirna qui pouvait s'inviter sur notre plateau parce qu'il nous accueille. Nous sommes donc dans sa commune. Monsieur Badar Diom est bien sûr avec lui. On reviendra aussi sur les retombées donc de ces infrastructures majeures donc pour sa commune. Et je sais que peut-être qu'il a fini d'esquisser quelques stratégies pour mieux tirer profit donc de cette aubaine que représente donc ce pont et ce port. Tout à fait. On parlait d'emploi des jeunes tout à l'heure. On va y revenir avec vous. Mais avant, culture, ma chère Anta. Qu'est-ce que tu nous proposes ce matin ? Alors, ce matin, je vous propose un peu un papier sur le Delta du Saloum, le parc national du Delta du Saloum. Alors, en sachant tout simplement qu'avec la Covid, le tourisme a été impacté avec une perte de plus de 300 milliards de francs CFA. Et donc, au jour d'aujourd'hui, le tourisme a dû se réinventer. On a vu le concept Tamou Sénégal de l'agence promotion touristique sénégalaise qui a justement lancé un appel aux Sénégalais pour leur faire découvrir le Sénégal. C'est le tourisme domestique, c'est le tourisme interne, que les Sénégalais puissent se déplacer à l'intérieur du pays. Et c'est là où on a vu justement ces Sénégalais qui ont commencé à, on va dire, retomber amoureux de la nature à travers l'écotourisme. Donc je vous propose un papier à travers tout cela. À l'instar de l'industrie touristique mondiale, le tourisme sénégalais est touché de plein fouet par la crise sanitaire du coronavirus, avec des répercussions sur les voyages et l'offre. Néanmoins, le concept Tamou Sénégal a été la riposte à la Covid en favorisant le tourisme interne. Dans cette lancée, s'est développé l'écotourisme, la découverte de la nature. Situé à l'ouest du Sénégal, le parc national du Delta du Saloum en est un parfait exemple. Créé en 1976, sur une étendue large de 76 000 hectares, il est caractérisé par une frange côtière et marine, avec quelques îlots et des bancs de sable, un ensemble amphibie avec trois grands groupes d'îles, Fatala, Gandoun et Betenti, et également un ensemble continental composé de tannes, mangroves, forêts claires, savanes boisées et arbustive. Classé sur la liste des zones humides d'importance mondiale et sur la liste des réserves de la biosphère de l'UNESCO, le Delta du Saloum abrite le deuxième plus grand parc national du Sénégal. Le Delta abrite également une avifaune résidente très intéressante et plusieurs espèces typiquement africaines y passent l'été pour nicher. Les oiseaux offrent aux visiteurs cet immense vivier naturel, quelques grands spectacles de toute beauté. L'île aux oiseaux est sans doute le site le plus connu du Delta, avec sa colonie sterne, nicheuse forte de quelques 60 à 70 000 oiseaux. Le parc abrite d'importants sites touristiques tels que les amas coquillés. Des variétés de danse et de lutte traditionnelles y sont pratiquées par les populations vivant dans la réserve biosphère. Le Delta du Saloum, c'est également le lieu de rencontre des eaux douces de deux fleuves, le Sine et le Saloum, et de l'eau de mer qui, à chaque marée haute, envahit les réseaux de bolons jusqu'à près de 100 km à l'intérieur des terres. Près d'une quinzaine d'hôtels, gîtes ou campements touristiques se sont installés au cours des dernières décennies en bordure du Delta du Saloum. Et si l'équipe de la matinale Quinquilibat se déplace dans les régions, c'est évidemment dans cette idée de relance également, accompagner le secteur touristique, c'est important parce que c'est un secteur clé pour le développement de notre économie. Si vous vous en souvenez, l'année dernière, en décembre, eh bien nous étions dans un hôtel de la place parce que pour nous, l'hôtellerie a été également très impactée par la Covid et il fallait accompagner les acteurs. Le tourisme, c'est aussi l'hôtellerie. Le tourisme, c'est l'écotourisme, comme Anta nous l'a présenté. Nous voulons vous inviter à découvrir ou redécouvrir
notre beau pays. Exactement, Sarah, et à travers justement ce tourisme-là, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse a su, accompagner, on va dire, les entités étatiques, dans le sens où on a pu voir vraiment sur les différentes plateformes digitales énormément d'initiatives à travers, par exemple, les découvres, les aventuriers du Saloum. Oui. Il y a également Travel with Ziggy qui fait également sur énormément les sociaux, de c'est oui, vrai. Sur les plateformes digitales. Tout à fait. Et aujourd'hui, les plateformes digitales sont devenues le moyen pour vendre la destination sénégalaise par des Sénégalais et pour un peu le monde à travers le monde absolument, entier en fait. Absolument. Alors c'est vraiment à travers ces images de qualité que nous proposons, c'est à travers justement cet œil africain qu'on a justement de notre propre pays qu'on peut justement vendre cette destination. Sénégal. Sarah. Absolument. Beaucoup d'influenceurs, hein, comme tu l'as dit, qui contribuent également à perpétuer cette idée, cette belle image, cette belle carte postale du Sénégal, et c'est l'occasion pour nous de les remercier également. La saison touristique a été lancée, je crois, la semaine dernière, c'est ça, par le ministre qui était à Ziguinchor. Effectivement, Sarah, il inauguré, autant pour moi, j'y arrive, l'aéroport international de Cap Skiring, et la saison a été lancée. Et aujourd'hui, le défi, je pense qu'il est, il est propre à tout citoyen. Déjà, citoyen sénégalais à travers le tourisme domestique et effectivement les acteurs du tourisme. Alors aujourd'hui, on voit de plus en plus, on va dire, d'agences touristiques qui ne font pas forcément appel aux tour opérateurs pour pouvoir aujourd'hui s'implanter. Ils utilisent justement tout simplement ce qu'ils ont en fait sous le coude, c'est-à-dire les plateformes digitales pour pouvoir aujourd'hui relancer le tourisme, pour pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, vendre la destination à travers la qualité d'image, à travers la qualité de vidéo et à travers justement la beauté de notre pays, le delta du Saloum aujourd'hui qui a fait aujourd'hui office d'énormément de reportages à travers vraiment le monde entier, et ça fait, je pense, la fierté de toute une nation. Tout à fait. Par rapport à cela, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de politiques allant dans le sens de la protection quand même de notre environnement, donc de cette faune si riche, toutes ces belles facettes donc du delta du Saloum. Déjà, Fatick peut s'enorgueillir d'être la première région à disposer d'une aire marine protégée, l'aire marine protégée de Bamboum, n'est-ce pas? Il y a aussi d'autres aires marines protégées qui ont vu le jour. Alors, à ce niveau, madame le gouverneur, on peut dire que la vigilance reste toujours de mise, hein, parce que quand même, il faut véritablement veiller sur cette richesse extraordinaire qui est ce fameux delta du Saloum. Vous avez raison, parce que je sais que comme on l'a décrit à travers, comme on l'a vu plutôt à travers les images, c'est le parc national du delta du Saloum. Mais à côté, il y a aussi l'île aux oiseaux. Et je sais que même dans ce parc national du delta du Saloum, il y a un endroit très particulier qu'on appelle l'Amazonie du Sénégal. Pour vous dire véritablement, en fait, il y a un conservateur justement qui est là-bas. Et je sais qu'aujourd'hui, ils font des efforts importants pour qu'au niveau véritablement de la prise en compte, mais plutôt de la prise en charge et de la sauvegarde de cet environnement, que les populations puissent être impliquées. Et véritablement, je sais qu'il y a peut-être des visites qui sont faites par des étrangers le plus souvent. Et je crois que c'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'inciter surtout le tourisme local, mais surtout aussi les populations locales à aller vers ces richesses-là, à les visiter, à les connaître. Absolument. Ouais, parce que tantôt le gouverneur parlait de ces richesses que sont le pétrole et le gaz, mais pour moi le premier atout, la première richesse véritablement donc de Fatick reste donc la richesse de sa biodiversité. Absolument. Hein. À ce niveau, c'est une région vraiment inégalable et véritablement donc je pense que toute politique est la bienvenue pour préserver cette ressource si rare et si prisée à travers le monde. Permettez-moi, Sarah. Allez-y. Nous avons la réserve de Fatala. Pour ceux qui souhaitent voir découvrir les lions. Ah, exactement. Oui. Elle est célèbre, cette réserve de Fatala. Même si le président s'y est rendu avec toute sa garde rapprochée. Hein. Toute sa garde rapprochée d'y vient. Hein. Voilà. Mon cher Alioune, qu'est-ce que tu veux insinuer? Parce que souvent, il décharge certains quand même de l'accompagner pour leur permettre de se reposer. Mais quand il s'est agi d'aller à Fatala, il y avait toute sa garde rapprochée. Mon cher on prendra les mêmes dispositions.
on prend dans les mêmes dispositions. Pour y aller également, madame le gouverneur, on sera bien accompagné. Il était le seul à tenir le lion. Il n'avait pas la garde. Non, mais on a vu l'image à l'arrière-plan, il y avait quand même des gens préposés hein, qui étaient là. Hein. La garde vraiment aux aguets. La garde rapprochée était très proche. Oh là là. Je sais qu'il regarde très souvent cette émission. On lui souhaite évidemment une bonne journée au passage et bon réveil et bon matin également à tous les téléspectateurs qui nous choisissent. On va tout simplement accueillir maintenant Hassan qui va nous rejoindre en plateau pour la dernière partie de cette émission. Ma chère Anta, oui. À quand la saison 2 des découvertes d'Anta? À très vite avec de belles découvertes et permettez-moi justement à travers ce reportage, je pense à ces braves femmes qui sont généralement dans les mangroves et qui cueillent les huîtres ou les produits halieutiques et vraiment je leur rends hommage tout simplement. Merci. Donc Sarah, sur ce, merci beaucoup. Merci et à très vite, et ma à chère tout à l'heure. Anta. On a beaucoup parlé de territorialisation des services publics. C'est une réalité. L'ADE est en plein là-dedans. Hassan vient nous rejoindre en plateau. Entre-temps, on avait une magnifique image. Le jour qui se lève. Regardez, c'est tout simplement beau. On vous invite à vous déplacer à l'intérieur de notre pays. Je vous assure, c'est magnifique. Bonjour mon cher Hassan. Bonjour, bienvenue Sarah. En plateau. On passe à la troisième partie de la rubrique invité et ensuite on va finir le magazine avec la chronique e-administration consacrée à l'ADIE à Lyon. J'imagine qu'avec de telles infrastructures, donc dorénavant toutes les collectivités locales de la commune, plutôt du département de Foundiougne vont rivaliser d'ardeur, d'imagination pour se tailler la part du lion par rapport aux retombées et je pense que la première commune qui devrait être la mieux servie en principe devrait être selon moi donc la commune de Ndjirna, mais bon, le maire de Foundiougne aura l'occasion aussi de, voilà, d'apporter sa réponse hein, et de nous donner aussi sa stratégie sur comment aussi tirer profit donc, de ce pont. Alors, monsieur Diom, merci d'être sur notre plateau. Merci Aline Bayara. Et félicitations hein, pour vous hein, qui avez la chance quand même d'accueillir cette infrastructure majeure qui est ce fameux pont. Alors, avez-vous fini de penser, d'élaborer quand même une stratégie pour pouvoir capter véritablement les dividendes donc, de ce pont-là, les retombées éventuelles? Merci beaucoup Aline Bayara. Je voudrais d'abord saluer madame le gouverneur, Sarah, mon nom Aline Badara, mon ami avec qui nous partageons le plateau. Et saluer aussi vraiment mes collaborateurs, les élus, le maire de Foundiougne, le conseil départemental, l'adjoint au préfet du département de Foundiougne. Et vous dire le plaisir que j'éprouve aujourd'hui pour partager avec vous cette excellente émission, très suivie au niveau de cette zone, merci. Au niveau de la région de Fatick, surtout les îles du Saloum. Merci beaucoup. Et je commencerai par dire que nous sommes à Ndahonga, partie intégrante de la commune de Ndjirna. Ndjirna, une commune avec une population de 13 733 habitants, avec 330 km². Et je dirais que nous sommes essentiellement constitués d'îles, donc nous sommes une archipel au niveau des îles du Saloum. Et ça, c'est important, ça montre l'aspect vraiment attractif que les îles du Saloum possèdent. Et aujourd'hui, vous avez parlé vraiment des infrastructures, surtout du pont, du port, du terminal pétrolier. Et cela montre à suffisance l'importance que le président de la République accorde à la région de Fatick, mais particulièrement au département de Foundiougne. Et vous le savez très bien, donc ces infrastructures, à savoir le pont, le port, le terminal pétrolier, ce sont des infrastructures qui vont relever le niveau économique du département de Foundiougne. Ça veut dire que les collectivités territoriales qui tournent autour, qui gravitent autour de ces infrastructures-là, auront la chance quand même de relever leur niveau économique. Et ça, ce sera en rapport avec vraiment les élus que nous sommes. Comment nous allons voir vraiment la collaboration qu'on doit tenir avec vraiment les dirigeants de ces infrastructures-là et la vision qu'on aura vraiment par rapport à tout ce qui va graviter autour de ces infrastructures. Si je prends l'exemple de Ndahonga, cela veut dire que la commune de Ndjirna est en train déjà d'anticiper sur quand même les infrastructures qui devront accompagner le port, le pont et le terminal pétrolier. À savoir, par exemple, aujourd'hui, c'est une zone
qu'on doit aménager, et ça c'est en rapport avec la géroute, donc pour permettre l'installation de magasins, de cantines, pour renforcer davantage les activités économiques des femmes, qui s'adonnent vraiment au commerce déjà au niveau de la place. Donc les infrastructures doivent renforcer ces activités-là, mais au-delà de ça, le port sera une attraction. Ça veut dire que beaucoup de services vont venir s'installer autour. Cela mérite une organisation tout autour et vraiment permettre d'anticiper. Au lieu, par exemple, d'appeler les gens, les services viennent, par exemple, s'installer, investir, la commune est en train de voir comment faire vraiment pour installer des services. Si je m'explique comment faire, par exemple, pour installer des bureaux ou, par exemple, les transitaires qui vont venir au niveau du port pourront s'installer et cela va vraiment augmenter les dividendes de la commune de Djirnda. Il est important aujourd'hui aussi de parler vraiment des potentialités du pont, surtout le pont qui enjambe deux collectivités territoriales, à savoir Foundiougne et Djirnda, par Ndahonga, et vous dire que ce pont va relever, au-delà de son caractère sous-régional, parce que ça c'est important à souligner, ce pont aussi va renforcer les activités socio-économiques des localités du département de Foundiougne. Ça va faciliter vraiment le déplacement des personnes et des biens. Tout à fait. Et dans plusieurs domaines, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la foresterie, mais aussi dans le domaine de la santé. Oui. Je peux vous donner un exemple aujourd'hui. Rien que pour le mois de novembre, nous avons connu deux pertes en vie humaine. Ça veut dire que les gens qui transitent, qui sont évacués, les malades qui sont évacués des îles vers le centre de santé de Foundiougne, une fois là-bas, comme le pont n'était pas ouvert, donc le bac ne marchait pas, ils étaient obligés vraiment de faire le grand tour pour les amener au niveau de l'hôpital de Fatick. Et toutes ces deux personnes-là ont perdu la vie en cours de route. Donc cela montre à suffisance combien le pont est important. Important. Parce que ça va diminuer les distances et vraiment ça va permettre de faciliter l'évacuation des malades. Absolument. Mais au-delà de ça, nous qui habitons les îles du Salon, tous les programmes étatiques donc, parlent de pistes de production ou de routes. Maintenant, le pont va déclencher vraiment le processus de développement, de désenclavement des îles du Salon. Exactement. Et ça, vraiment, nous lançons un appel au président de la République pour lui dire qu'au-delà de ce pont, qui est une excellente idée de sa part, vraiment, il y a le pont de Baoutsoum qui va relier les îles à la terre ferme. Donc, et nous permettre de gagner 15 km de route dans les îles du Salon. Et ça, c'est d'une importance capitale. Absolument. Derrière nous, nous avons le village de Félire, qui est séparé de cette zone de Ndahonga d'un bolon de 50 mètres. Donc, il doit y avoir, c'est planifié pour qu'il y ait un pont là-bas. Il y a aussi Fayako, Félire, Djirnda Maya, Djirnda Fambine et d'autres ponts qu'on envisage dans les communes de Bassoul et de Dionwar. C'est pour dire que le processus de désenclavement est d'une importance capitale. Madame le gouverneur est revenue là-dessus. Elle a parlé vraiment du programme de désenclavement île, mais c'est important que ce programme de désenclavement île avec des bateaux puisse être accompagné avec des ponts de franchissement pour permettre l'ouverture globale définitive vraiment de la zone insulaire. C'est ça. Et c'est l'occasion de remercier le président de la République, Macky Sall, pour lui dire que vraiment le département de Foundiougne, la région de Fatick, les îles du Salon, nous sommes conscients des efforts qu'il est en train de faire et nous sommes prêts à l'accompagner vraiment pour l'ensemble des activités qu'il est en train d'entreprendre au niveau de cette zone. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour ce rappel des importants projets étatiques actuellement en cours dans la région de Fatick, surtout au profit, par exemple, surtout de votre commune, la commune de Djirnda. Et vous avez même un peu empiété un peu le domaine de compétence de madame le gouverneur. Hein. Donc, en revenant donc sur les autres grands projets, et ça me donne l'occasion donc de poser cette question-là à madame le gouverneur sur les perspectives qui s'offre véritablement à la région de Fatick en termes de grands projets. Quels sont ces autres projets à réaliser ou bien ils sont en phase de l'être, madame le gouverneur? Effectivement, il y a des projets d'une grande importance. Je sais qu'on est largement revenu sur certains qui ont été déjà réalisés tout ou même fait en cours de réalisation. Mais permettez-moi aussi de revenir sur un projet d'une grande importance qui a été réalisé et qui permettait justement de permettre à ces îles-là d'avoir un approvisionnement en eau potable.
Je sais que le secrétaire élu du conseil départemental est revenu en là-dessus. On parlait tout à l'heure, tout à fait. Mais c'est un investissement d'une grande importance parce que pour véritablement alimenter ces populations, il a fallu aller jusqu'au niveau de Thiès, de la région de Thiès. À Tassette, justement. Oui. Pour alimenter ces populations. Et je sais qu'aujourd'hui, ça a permis à des centaines de milliers d'insulaires de pouvoir disposer de l'eau potable. Et à côté de cela, il y a aussi l'énergie. Parce qu'il y a aussi aujourd'hui des centrales solaires qui sont installées. C'est vrai que les efforts qui ont été faits par l'État sont d'une grande importance, mais il demeurera toujours quelque chose sur lequel il va falloir qu'on axe davantage nos actions pour que les choses aillent de l'avant. Et je sais que l'autre grand projet, c'est l'université du Sine Saloum, Elhadj Ibrahim Agnas. Tout à fait. Parce qu'il est en cours de construction et présentement, c'est vrai que les travaux, les cours ont plutôt commencé au niveau de l'université avec des étudiants qui sont dans la commune de Fatick qu'on a essayé d'héberger et de mettre dans de bonnes conditions. Mais je sais que l'accélération de ce projet pourrait leur permettre d'être beaucoup plus autonomes et de disposer d'un espace qui est le leur. Il y a aussi, à côté de ce grand projet d'université, il y a les centres de formation professionnelle. Parce que M. le maire l'a dit tantôt, il faudrait aujourd'hui qu'on puisse former les jeunes par rapport aux potentialités qu'ils ont sur place. Et je sais qu'avec le ministère en charge de la formation professionnelle, il y a aujourd'hui des projets de construction de ces centres de formation professionnelle qui mettent en avant les potentialités de la zone. Et je sais qu'aussi, même en prévision de l'exploitation de ce port-là, il y a d'autres structures de l'État qui étaient en train de travailler pour former la main-d'œuvre locale, notamment sur les métiers portuaires. Il y avait l'ONFP qui avait travaillé en étroite collaboration avec les maires, avec les autorités administratives, pour qu'on puisse au moins, quand il s'agira aujourd'hui de faire fonctionner le port, au moins que la main-d'œuvre puisse venir d'ici. Et je sais qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Les pistes aussi, les pistes de production demeurent une réalité. Parce que je sais qu'aujourd'hui, au niveau de certaines zones, quand même, le PUDC a eu à faire des avancées importantes en matière d'eau, d'électricité et autres. Mais il faudrait renforcer davantage les pistes de production. Parce que si ce pont vient, les grands projets viennent pour véritablement désenclaver, il faudrait aussi que les pistes de production puissent suivre. Absolument. De telle sorte à ce que l'acheminement des produits agricoles puisse être une réalité au niveau de ces localités. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi d'autres projets sur lesquels on peut revenir. Parce que par rapport aux axes du PSE, tous les projets qu'on a cités, tous les projets qui sont présents dans la zone, soit collent avec ces trois axes du PSE. Et je sais qu'aujourd'hui, pour l'essentiel des projets qui ont eu à être financés, l'axe 1 demeure la priorité, suivi de l'axe 2 et de l'axe 3 dans une moindre mesure. Absolument. Et on a parlé d'université. Vous avez également parlé d'espace et de faciliter la vie finalement des administrés. L'ADIE est en plein dedans. Dans les universités, l'ADIE y est également avec un important programme, le programme Smart Sénégal. Dans la région de Fatick, c'est déjà une réalité, Hassan. C'est effectivement déjà une réalité. Permettez-moi d'abord de saluer Madame le Gouverneur et tous les invités qui sont présents ici. Alors, il y a deux semaines, nous étions en tournée dans cette belle région et nous avons, puis aller visiter l'université du Sine Saloum Elhadj Ibrahim Agnas où l'ADIE a déployé un important dispositif d'interconnexion mais également de Wi-Fi et également pour les espaces numériques ouverts. Mais aujourd'hui, je reviendrai plutôt parler des espaces Sénégal Service parce qu'il y a deux semaines, nous étions ici, comme qui dirait un éclaireur pour Kenkeliba. Pour l'objectif, visionnaire. Oui, l'objectif du directeur général de l'ADIE qui était avec nous, le cher Baroum, c'était donc d'opérationnaliser les trois espaces Sénégal Service des trois départements de la région, à savoir Foundiougne, Fatick et Gossas. Et donc ces espaces Fatick qui étaient déjà opérationnels pour le pôle emploi ont été officiellement ouverts pour les services pour rapprocher davantage l'administration des citoyens. C'est ça. Et dans cet extrait que je vais vous proposer, vous allez suivre
successivement le préfet du département de Foundiougne, Madame le gouverneur et également l'adjointe au préfet l'adjointe au maire de Fatick. Et pour terminer aussi, il y a le maire de Gossas et le directeur général de l'ADE qui reviennent sur la stratégie donc des espaces sénégalais. Très bien, on va suivre toutes ces réactions maintenant. Nous n'avons pas, en tout cas, eu beaucoup de difficultés, en regardant évoluer, en tout cas, ce bâtiment-là que nous inaugurons aujourd'hui, tandis que, quelque part aussi, des projets, des programmes sont encore en souffrance dans le département. Vous avez construit votre projet en un temps record, je le dis et je répète, et ça mérite vraiment qu'on vous félicite pour ça. Et donc cet espace, c'est pour les jeunes, pour les femmes, mais aussi c'est pour tous les citoyens de Foundiougne, tous les citoyens du Sénégal. Les espaces Sénégal Service visent à fournir des services publics de proximité accessible, centrés sur l'usage, mais également ces espaces vont sans aucun doute contribuer au désenclavement numérique et au développement économique des territoires. Certes, nous assistons à l'inauguration de ce bâtiment, mais je sais que dans le cadre du programme Khoyundaouni, ce bâtiment a eu à nous aider beaucoup. Avec le pôle emploi, nous avons eu à mener des activités qui nous ont permis une meilleure prise en charge de la politique de l'emploi des jeunes et des femmes. Donc si aujourd'hui, avec l'inauguration qui marque le baptême, nous avons aujourd'hui d'autres possibilités avec les maires et d'autres parties prenantes de rapprocher l'administration des administrés. Tout à l'heure, monsieur le directeur général de SAFRE l'a dit, c'est une manière aujourd'hui, c'est une manière, je le rappelle, aujourd'hui d'aider grandement ces populations. Gossas, mingi bok ci région de Fatick. En l'espace de quelques minutes comme ça nga mën ko am donc nous aussi au niveau de la commune de Gossas donc au nom de l'ensemble des maires du département parce que je vois le maire de Patar ak yenen maire ou ñenn lagan ak yenen maire du département de Gossas ñi ngi ci ñoo ni aussi damay wax ci seen tour parce que ñun ñep ben lañ donc nous gérons donc l'intérêt des populations que ñu informer nit ñi commune de Gossas. Lepp lo xamé ni war nako apporter comme soutien mbok ak jappelé ni ñun on le fera bu féké dans le cadre du personnel d'appoint bu féké lénen la aussi donc nous sommes prêts donc à le faire au niveau de la commune de Gossas. Les populations pourront désormais venir à accéder aux procédures administratives. C'est près de 750 procédures qui ont été documentées, vous pouvez les retrouver dans le site senegalservice.sn. Et au-delà de ce site web, vous avez une plateforme électronique, donc une version mobile que vous pouvez télécharger sur Android comme sur Apple Store. Donc au-delà de cet usage numérique, nous avons également bâti cet espace physique pour recevoir les populations de Fatick, pour les aider dans leur démarche administrative, ce que le président Macky Sall appelle l'administration de proximité. Donc cet espace Sénégal Service est connecté à 45 autres espaces du Sénégal, ce qui permet de pouvoir interagir entre les différentes régions du Sénégal. Mais également cet espace est lié à l'ensemble des ministères et administrations du pays pour pouvoir délivrer les services de ces institutions au niveau du département de Fatick. Nous sommes en direct ici au port de Ndahonga qui nous accueille pour ce premier numéro de notre semaine spéciale Quinquéliba dans la région de Fatick, département de Foundiougne. Hassan, c'est vrai que l'ADE fait beaucoup pour rendre évidemment l'administration plus proche des populations, mais il y a une question importante dans les îles également. On aimerait avoir davantage accès à tous ces services de manière beaucoup plus facile, mais surtout à la connexion à Internet également. Ça aussi, c'est un plan important, mon cher Hassan.
Alors, je te promets, Sarah, et je promets aux Fatikois de donner une très, très bonne nouvelle avant la fin de cette antenne décentralisée. Ah oui? Oui. Pour indice, je parlerai de câbles sous-marins. D'accord. Parce que ça va bientôt insulaire. Ça va bientôt arriver. Dans une zone insulaire. Ça veut dire, monsieur Badarad, il en sourit, hein. que vos préoccupations trouveront solution très vite. Et peut-être que vous serez même mieux lotis que nous qui sommes à Dakar. Qui sait. Surtout à Tihuanpel, par exemple. Hein. Nous sommes dans Dakar. Il fallait qu'ils disent Tihuanpel avant la fin de cette émission. Pourtant, j'avais réussi. J'ai fait un petit coucou. Alors, je serai de tout parmi vous bientôt, Inch'Allah. Alors, c'est juste pour dire que le câble sous-marin va venir. Et oui. Quand il va arriver, ça va renforcer en tout cas la résilience en Internet c'est ça. Tout l'État du Sénégal. C'est ça. Et donc, y compris au niveau des îles aussi. Parfait, parfait. Alors, on n'a plus que deux minutes pratiquement avant la fin de cette émission. Je vais laisser très rapidement nos invités conclure. Et je vous ai promis cette petite capsule pour l'éthique de Quinquelibat avec le ministre Mansour Farr. On va terminer avec ça. Et je commence d'abord avec monsieur le maire. Un dernier mot, on arrive à la fin de cette émission. C'est normal que j'en souris, Sarah, parce qu'il a parlé du câble sous-marin. Et ça, c'est vraiment notre préoccupation, parce que je dis que l'ensemble des infrastructures d'une importance capitale qui gravitent autour vraiment du département de Foundiougne doit être accompagné vraiment d'un processus de désenclavement numérique. C'est ça, tout donc à fait. Ça veut dire renforcer la couverture en réseau au niveau des îles du Saloum. Vraiment parce que les îles sont un peu enclavées en termes vraiment de ponts, de pistes, de routes, mais aussi en termes numériques, en termes de réseau. Et je pense que nous sommes dans un monde de la globalisation, ce qui veut dire que vraiment le réseau doit être renforcé au niveau des îles du Saloum. Des bonnes nouvelles sont en perspective, justement. Merci d'avoir utilisé le terme désenclavement numérique. On est là-dedans. Madame le gouverneur Sena Bougué, on termine avec vous. Merci encore une fois de nous avoir accueillis ici, chez vous. Et de si belle manière. Merci encore une fois. Merci Sarah, merci à toute l'équipe de Quinquelibat. Merci aussi à l'accueil que les autorités territoriales nous ont réservé ici dans la commune de Djenda, mais aussi dans celle de Foundiougne. Donc pour dire que par rapport au désenclavement numérique, nous le saluons parce que nous savons que ce problème a été récemment même posé à travers les médias tout récemment sur le déséquilibre qu'il y a entre Dakar et les autres régions. Mais même à l'intérieur des régions et même des communes, il y a ce déséquilibre numérique qui est là. Donc c'est avec cette bonne nouvelle-là, je crois que quelque part dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques qui joue en faveur de l'équité, nous pouvons espérer grandement que toutes les populations puissent être traitées de la même manière, qu'on puisse prendre en compte aussi bien les populations insulaires que les populations aussi qui sont le long des frontières. Parce que je sais qu'avec cela, nous pouvons espérer que les choses puissent changer. Merci pour cette bonne nouvelle. Nous vous souhaitons un bon séjour merci dans beaucoup. Cette très belle région du Sénégal. La plus belle. La plus belle. merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup, Aux téléspectateurs très nombreux qui nous ont suivis ce matin. Merci également aux équipes techniques de la RTS qui se sont mobilisées. Merci à la direction générale qui nous a accompagnés pour rendre possible cette mission décentralisée de l'équipe Quinquelibat. C'est une forte délégation. Il a fallu donc mobiliser beaucoup de moyens pour que nous puissions faire cela. Mais c'est toujours un plaisir pour nous d'être au plus près des populations. La mission ne fait que démarrer. On va continuer tout au long de cette semaine, alors ne ratez absolument rien de ces épisodes qui arrivent. Merci mon cher Alioune. Merci à toi la grande dame. On se retrouve. Mais surtout merci à madame le gouverneur, à l'ensemble aussi de ses collaborateurs, à l'ensemble aussi des élus du département de Foundiougne et après l'étape bien sûr de Djenda pour faire plaisir à son maire parce que nous sommes à Djenda sur ses terres, donc plus précisément au port. On va enjamber le pont, direction Foundiougne pour un autre numéro spécial avec les populations. Je disais que ça ne fait que commencer. Voilà. On va poursuivre. Nous sommes dans la région de Fatick. Merci encore. Et on vous retrouve demain à partir de 6h30 pour un nouveau Quinquelibat. Avant de se quitter, je vous propose de regarder cette petite capsule que le ministre Mansour Faye, ministre des Enclavements, ministre Transport Terrestre, ministre des Infrastructures, pour résumer justement les différents ministères qu'il chapeaute, nous a laissé
Monsieur le ministre, on vous souhaite également une excellente journée à vous et à toutes vos équipes. À demain, 6h30 sur la RTS. Prenez grand soin de vous. Au revoir. On sert le quinquelibat ? Voilà, pour finir. Merci à tous. Il n'y a pas de temps pour faire des choses. Il n'y a pas de temps pour faire des choses. Il n'y a pas de temps pour faire des choses. Il n'y a pas de temps pour faire des choses. Ni ma lien qui s'est gagné demain. Non, nous la camarade demain. Merci beaucoup à l'équipe Quinquelibat que j'ai devancé dans le département de Founioun. Présentement, je suis sur le pont, donc un pont assez important en termes d'infrastructure, un bel ouvrage qui va désenclaver totalement le département de Founioun, mais aussi qui va contribuer donc au développement économique de cette zone. Comme vous le savez tous, pour partir de Fatick et aller à Founioun, les populations empruntaient le bac. Ou ceux qui voulaient aller à Founioun contourner Fatick pour prendre la route. Mais aujourd'hui, avec ce pont qui sera livré le 20 décembre, toute pénibilité sera, disons, un mauvais souvenir. Et cela rentre vraiment carrément dans la vision du chef de l'État. Et pour rappeler une vision, c'est un rêve devenu réalité. Aujourd'hui, le pont de Founioun est une réalité. Et comme je l'ai dit tantôt, économiquement, non seulement ce sera un atout pour faire le corridor Dakar-Banyoul, mais aussi contribuer au développement touristique de toutes les îles qui sont au niveau du département donc de Founioun. En tout cas, ce pont rentre dans le développement des infrastructures à l'échelle nationale, qui sera connecté aussi à l'autoroute Dakar, Mbour, Fatick, Kaolack, c'est-à-dire le corridor Dakar-Bamako. Thank you, Freiburg. Jangente fale yi xol sedd tin dal Gisna sen taxaway dem len pul len ragal Nakh yi nangi kër kari ligey di ko matal nañu len yombalal ligey yu jappal te gungé len kontana. I gotta wake up early in the morning, a long way to go because I gotta find my way to the Lord. Lord, need to stand up, get better to warning, which makes me know where we the line, what's left to be done. Lay bo lay ci lepp li tax ba duñ la faté ya koy liggé.